Hey les gars, c'est Starbricks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va passer en revue toute la nouvelle update de Jailbreak, donc avec un nouveau cargo, je vais tout vous expliquer en détail. Donc on va y aller directement, parler de ce qui est nouveau. Donc ce qui est nouveau, c'est qu'il y a un bateau cargo, donc on peut voir ici. Donc voilà, après on va le voir en jeu, hein, il n'y aura pas de problème. Là on regarde juste les photos du site pour l'instant. Il y a un nouvel hélico qui s'appelle le Little Bird, que j'ai acheté, donc qui est très bien, je vous le présenterai aussi. Et donc comme ils ont ajouté la possibilité de pouvoir voler des containers dans le cargo grâce à la corde, de l'hélicoptère, et bien on a aussi la possibilité d'attraper des objets. Quand je dis des objets, c'est des voitures par exemple. Donc avec la corde, on va pouvoir maintenant prendre des voitures. Je vais vous montrer ça tout de suite, c'est génial. Donc l'hélico, il est juste en haut de la banque, c'est pour ça que j'y suis. On va le choper, il est là. Alors mon avis sur l'hélicoptère, bien sûr, il est stylé, hein. Il est beaucoup plus stylé que l'hélico de base. Il est beaucoup moins cher que l'hélico militaire, donc c'est un peu le juste milieu entre les deux. J'ai fait des tests tout à l'heure, et il me semble qu'il est plus rapide que l'hélico normal. J'ai fait une espèce de course avec un gars. Après, c'est comme la Chiron, on peut se voir à l'intérieur, donc c'est plutôt cool. Tu vois, quand tu pilotes comme ça, c'est chouette, jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'en fait, c'est pas à la place de ta tête que tu vois, c'est à la place du passager. Alors que tu conduis, bon, c'est pas ouf, mais bon. Alors, je disais, on peut attraper des voitures avec la corde, donc je vais vous montrer tout de suite. Donc, une fois que vous êtes sur la voiture, voilà, elle va s'entourer de verre, il va y avoir un petit chargement. Attendez, je le refais. Voilà. Et vous allez pouvoir attraper des voitures. Puis aussi entre nous, hein, c'est marrant de prendre la voiture du pote, de l'envoyer valdinguer, enfin voilà. Alors c'est pas un hélico qui est armé, c'est bien dommage. Il y a toujours les bombes, hein, comme sur tous les hélicos. On peut larguer des bombes, mais on ne peut pas tirer de missiles, c'est dommage. Ok, donc le bateau cargo arrive. Ah oui, un truc important avant de commencer, le bateau il tire. Et c'est embêtant, parce qu'il peut vraiment... Genre il nous fait pas juste des petits dégâts, hein, il tire vraiment des roquettes et tout, ça fait super mal. Et oui, on peut mourir dans ce braquage, oui. Donc ouais, c'est plutôt dangereux. Ok, il est là, je vais pouvoir monter bientôt. Oh, il commence déjà à tirer dessus, wow, c'est un fou. Oh, j'ai perdu de la vie déjà. Ok, je déploie la corde, je vais aller récupérer une caisse. Attention, allez vite, avant que je me crache. Allez vite. Ah mince, attends, je suis en train de mourir. Ma vie, au secours. Attends, vas-y. Conducteur, je vais aller me heal là-bas, tranquillou. Voilà. Oh là là, mais il y a tellement de fumée partout, trop dangereux. Alors ouais, je pensais que ce serait plus simple que ça, tu vois, la première fois je l'ai réussi tranquille, je me suis dit alors qu'est-ce qu'il y a de mal. Et après j'ai pas réussi à le refaire. Allez, s'il vous plaît, c'est pour YouTube là. Je suis mort, on va pas rester sur ça, bien sûr qu'on va le refaire. Ok, donc c'est parti pour le deuxième essai, j'espère que ça va marcher. Ah non, il commence déjà à tirer, non mais sérieux. Allez, je veux un container. Est-ce qu'il y a un moyen de désactiver les canons? Je crois que ouais. Non, en plus non. Allez go, là on fuit, on a la caisse. Donc c'est ici qu'on dépose, c'est au port. Donc voilà, il y a une petite trappe qui s'ouvre dans le plafond, c'est bien stylé. Oh, j'aime beaucoup. Allez, c'est reparti pour le dernier essai. Donc voilà, le deuxième on l'a réussi, mais là je voulais vraiment tester d'autres trucs, si on pouvait désactiver les canons, etc. Et on va essayer de lui larguer des bombes dessus aussi. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du look du cargo, moi je l'aime plutôt bien. Pareil, l'hélico, est-ce que vous le trouvez stylé? Moi oui. Bien plus stylé que l'hélico de base, hein, on est d'accord. Oula, attends, non, essaye pas toi. Qu'est-ce qu'il me fait? Bon, attends, une bombe, vite. Vite, une bombe. Ça lui fait strictement rien. Attends, je vais atterrir dessus. Hop là, comme ça. Wow, ok. Donc il peut pas me tirer dessus quand je suis dessus, donc ça c'est parfait. À première vue, on peut pas désactiver, y a rien qui apparaît, même quand on tire comme ça. Est-ce qu'il peut me tuer comme ça là? Ah oui. Attends, est-ce que là il va me... Je vais mourir. Attends, je me mets juste devant le canon. Il arrive pas à m'avoir vu que je suis à côté. Je suis à l'intérieur du canon, c'est n'importe quoi. Bon, allez les gars, on s'en va. Et il vise bien quand même le bateau. C'est assez dur de l'esquiver. Mais c'est possible, hein, c'est pas impossible. Voilà, on se dirige vers le camp des policiers. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like ou disliker, hein, si vous n'avez pas aimé. C'est votre choix. Vous faites ce que vous voulez. En tout cas, n'hésitez surtout pas aussi à commenter parce que ça m'aidera beaucoup. Ça m'aidera surtout à savoir, voilà, si j'ai oublié des trucs, si vous avez des trucs à apporter en plus ou tout simplement, vous pourrez me donner votre avis sur la vidéo. Donc voilà, merci à vous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!